Thomas. Je veux me marier avec toi. T'as dit quoi? J'ai jamais vu Mounia comme ça. Alors si tu veux habiter à la maison, il n'y a aucun problème. Waouh! Je vous offre le voyage de noces. Attendez, c'est trop. Mais pourquoi c'est trop? Il est le père adoptif de votre mari. Et il a acheté une maison dans laquelle il va continuer de vivre avec vous. Mais je vis pas avec lui. Il habite juste avec nous. Je sais pas ce qu'elles ont, les filles, aujourd'hui, mais elles sont infernales. Il y a toujours une pour réveiller l'autre. Arrête. T'inquiète pas, elle va s'endormir. Ça, c'est mon fils. Je m'installe, j'ai la tête comme ça. Je viens juste de rentrer, me casse les oreilles pour un poney. C'est plus possible, on est les uns sur les autres, ça va pas, ça. Pour aller vivre au Maroc. C'est super, le Maroc. Seulement, tu comptes plus sur moi. Pour rien. On a le droit de vivre en famille, quand même. Je peux pas lui faire ça. C'est toi, le père de mes enfants. C'est avec toi que je veux vivre. Voilà, maman. T'es pas si mal ici, non? Je manque de rien. J'ai envie d'être chez moi. J'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Les filles, elles sont nées ici. Elles ont grandi ici. Elles manquent de rien. Je devais la surveiller. C'est de ma faute. Qu'est-ce qui provoque, selon vous, ces angoisses? Je sais pas. Tu te rends compte de l'effet sur les enfants quand ils te voient comme ça? J'ai des idées noires. J'ai peur pour les enfants. Je me sens emmurée ici et je vois pas de solution en fait.